les premiers frémissements de la vie sous l'eau. Mais je m'en fous de Cléopâtre. Mais je veux pas jouer Cléopâtre. Mais va-t'en. Mais tu pues la merde. Mais arrête, non. Mais va-t'en. Non, non. Certains vous sous-estiment, ô reine Cléopâtre. Oui, oui, oui. Mais vous êtes rusée et pleine. Oh, rien à foutre, elle est conne. Mais c'est pas elle que je veux jouer, c'est pas elle. Arrête, arrête, frérot, tu es cringe. Ça y est, c'est fini. Mais regarde pas comme ça, toi, bolos. Mais regarde pas, toi, bolos, va. Wesh. Soleil, il est. Oula, 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 le soleil, il est fatigué, là. Oh! Arrête. Oh là là. Il est complètement buggé le jeu. Ok, go retourner au bureau, c'est pas possible. Bonjour à tous les amis, c'est Serge le chef, j'espère que vous allez bien. Bien dans cette toute nouvelle vidéo, de retour sur le jeu Civilization 6. Les gars, ça faisait super longtemps qu'on n'y avait pas joué. Je sais que c'est un jeu que pas mal d'entre vous m'ont demandé et que vous aimez beaucoup parce que c'est un bon jeu de stratégie Civilization 6. Peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas, mais il est vraiment fun. Et du coup je me suis dit aujourd'hui on va essayer de reprendre une nouvelle série de vidéos. Parce que oui, c'est clairement mon problème, je débute une série de vidéos que je finis jamais. Encore une promesse non tenue. Donc là je me suis dit, on repart, on est d'attaque les gars, on reprend une série sur Civilization 6. Évidemment avec la France les amis, Napoléon, De Gaulle, tout ça, c'est de l'histoire ancienne les gars. Notre civilisation française sera une nation millénaire, une nation qui perdura au-delà des siècles, plus grand que l'Empire romain. Je dis ça, mais bon, vu mon niveau à Civilization 6... Attends, tu mourras pas comme ça. Pendant la Seconde Guerre mondiale, mes soldats, ils auront encore des lances et des arcs, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est en étant nul qu'on y arrive, c'est un proverbe très connu, qui n'existe pas. Mais c'est pas grave, du coup, aujourd'hui, les gars, on va jouer la France sur Civilization 6 contre plein d'ennemis, je vais expliquer ça dans un instant. Mais d'abord, la vraie question, c'est quelle France on doit être, parce qu'il y a trois Frances dans le jeu, visiblement. Alors, vous pouvez choisir votre prétendante. On a Catherine de Médicis. Alors, déjà, je la trouve très très moche, donc c'est mort. Dis donc le gros, tu crois quand même pas que je vais faire la cuisine pour toi, non? Non, il y a deux Catherine. Ah ouais, il y en a deux. Ouais, il y a Catherine et Catherine. Oh là, c'est quoi cette embuscade? Oula, Catherine de Médicis, ouais, mais c'est la reine noire. Ok, là c'est reine splendeur, reine noire. Ok, et eh bah elle est déjà un petit peu plus jolie, je trouve, parce que la reine splendeur, on dirait ma reine la bonne fée de Wish. Ouais, bah c'est pas terrible non plus. Quoique elle a l'air puissante, la reine noire. Mais la dernière, c'est elle, allez où? Éléonore d'Aquitaine. Éléonore d'Aquitaine. Ah, là on est d'accord. Mettez-moi une blonde, les gars. Ça va mieux, ça va mieux. Grande tournée. Oh, la grande tournée. Oula, c'est quoi la grande tournée? Oula, garde impériale, Castel. Ok, bon, bah je crois qu'on va être Éléonore d'Aquitaine. Ok, la cour d'amour. Ouh, bah les gars, hein, on va pas se mentir. Je crois qu'on a fait notre choix. Oh putain, l'anglaise, ça va aller pas trop mal. Pourquoi c'est les françaises les plus moches? À part elle, pourquoi on est humilié comme d'habitude? Putain, alors elle a vraiment la gueule de la prof d'histoire ou d'SVT, mais genre vraiment bien chiante. Et bah, oh putain, j'aimerais pas être en Suède. Bon bref, allez, nous on prend la belle gosse, on est Aliénor d'Aquitaine, let's go. Non, allez, on va faire un putain de duel européen, les gars. Nous, ce qu'on veut, c'est le duel de l'Europe. Allez, les gars, on est chaud, on augmente la difficulté. Nous, on joue comme des rois, les gars. Donc, je sais pas si je mets aléatoire ou si je mets genre vraiment tous les Européens, genre elle c'est qui? C'est les Pays-Bas, Villema, vas-y viens. Allez, on va faire le Battle Royale européen les gars. Alors les Canadiens du coup, bah non. Eux c'est qui? C'est Byzance. Allez, let's go, on va remettre Byzance, là, je sais pas qui c'est, un putain d'empereur romain en Europe. Cette musique épique pour un combat qui ne le sera pas du tout les gars. Oh putain, il y a l'Allemand, ok go, bah lui l'Allemand faudra le battre les gars. Avec l'offensive Steiner, vous verrez que tout rentrera dans l'ordre. Mais, ah, il y a un Gaulois, putain, on a Embruyo X qui est... Mais c'est quoi toutes ces époques, c'est n'importe quoi. Il y avait un Pierre le Grand, c'est quoi, c'est un Français? Ah, c'est un Russe, oh, c'est le Russe, lui, oh. Oula, 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 méfions-nous du Russe. Oh putain, il y a la Reine Victoria, les gars, alors là ça va chier, ok. Tous nos ennemis sont là. Voilà, allez hop, il y aura les Ottomans, évidemment, les gars, c'est important. Qu'est-ce qu'un bon combat sans les Ottomans? Il y a un Hongrois, les gars, what the fuck. Ça devrait être compliqué. Mais je pensais, ce qui aurait été stylé, c'est si je pouvais modifier la difficulté de chacun des bots pour rendre certains plus forts que d'autres, ça aurait pu être bien. J'aurais augmenté le niveau, vous savez, des bots de chacun à tour par tour, mais je crois pas que c'est possible. Des premiers frémissements de la vie sous l'eau, jusqu'aux grands animaux de l'âge de pierre, et à l'homme se redressant pour faire ses premiers pas debout, vous venez de très loin. Fort, fort, lointain. Duchesse d'Aquitaine,
régente de deux terres. Oh. Ouais. Scène des troubadours et juge à la cour d'amour. Il est temps de remonter sur le trône. Il y avait Napoléon, vous pensez tous que Napoléon était le meilleur, les gars, c'était sans compter sur cette personne qui fera trois fois mieux que lui, évidemment. Ok. Les plaines qui entourent ta gueule, toi. Ok. Ah, laisse-moi tranquille, ça me saoule l'enjeu, il y a toujours quelqu'un qui vous interpelle. Ok, très bien. Ok, bon bah voilà les gars, les Français, on a 4 abonnés ici. Oh, les muscles. On a Giga Chat dans les rangs. Ok, il faut installer une ville. Ah, mais on dirait Paris, genre la Seine et tout, c'est peut-être... Non, c'est pas la Seine a fait pas ça. Okay. On peut installer une ville ou pas? Ici, c'est bien? Oui, c'est là, c'est bien. Allez, on fonde une ville, Paris. Let's go, ici, c'est Paris, voilà. Non, bah non, du coup, non, c'est pas du tout ça, mais... Faut bien commencer quelque part, les gars. Voilà, la France d'Aquitaine pour l'instant. Je sais plus comment on joue. Ah voilà, c'est ça, ok. Alors, un éclaireur, c'est ce qui est recommandé au début, les gars, pour explorer les environs. Mais nous, on n'a pas le temps d'explorer, nous, on veut se développer. Vous voyez, les gars, moi, je suis une stratégie qui vous permet de voir à long terme. Nous, un plan pour devenir riche, c'est de bâtir. On n'est pas là pour visiter, on est là pour bâtir, voilà. Vous voyez, la mentalité est très bonne dès le départ, ici. Et c'est eux qui vont visiter. Choisir une technologie. Alors, qu'est-ce qu'on fait en France? Exploitation minière. Ouais, mais on n'a pas de ressources, on n'a pas de cailloux, on n'a pas de... On va faire de l'élevage, les gars. Pour être un corps sain dans une nourriture saine, il faut manger des vaches. Voilà, très bien. D'ailleurs, les gars, je me décale exceptionnellement pour que vous puissiez voir la carte du bas qui est évidemment extrêmement stratégique. Ok. Oh, un village, les gars. On va les rallier à notre cause. Venez. C'est Mantes-la-Jolie, les gars. On y va. Paris, Mantes-la-Jolie. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oui. Allez, tour suivant. Enfonce. Ah ah. Notre civilisation a accompli un haut fait historique. Digne d'être célébré par les générations à venir. Oui, tais-toi. On a pris 3 cabanes à haut fait historique. Et bah, donc la France, c'est plus ce que c'était. Ah, c'est qui ça? Singapour. Paris-Singapour. Oh, les gars, il y a Malaysian Airlines qui sont venus nous voir. Ok, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, attendez, il faut que. Bon, Singapour, on n'a pas peur d'eux. D'ailleurs, je peux pas améliorer mes relations avec Singapour. Je sais pas comment ça marche. Oh là là. En gros, comme j'ai capturé le Mantes-la-Jolie, le petit village, et bah, j'ai eu un éclaireur. Oh putain. Eh, hey, on est malin ici. Ok. Bah bien. Bah là, vas-y, va dans la plaine, toi. Ouais, bah Singapour, venez pas faire les fous à Paris, hein. Notre ville, les gars, est très fortifiée. On a la vieille cabane, on dirait le village d'Astérix, notre truc, bah... N'allez pas à Paris, les gars, ça pue la merde. Ok, nos recherches avancent, les gars, hein. Paris, ça pue la merde, mais au moins, on fait de l'élevage. Ah ah. On a des biquettes à Paris. Ah, voilà. Chien au paradis, quand je mourrai, je... Oui, bon, le philosophe, ça va. Ok, donc là, les gars, on a des biquettes. Et maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est de la poterie, non? La poterie, ça sert à quoi? Ça fait de la science. Permet de récolter et pour améliorer les fermes. Ah oui, bah ouais, les gars. Comme ça, le lait de chèvre, vous le mettez dans un pot. Oh oui, bah oui, bah hé, hey, les gars. Hein. On a trouvé un troupeau de moutons. C'est un signe. Non, ça veut rien dire. Ok, ah, le bâtisseur, allez go. Les architectes parisiens, ils sont où, là? Il est là. Il est là, le bon vieux. Ok, on peut faire des fermes. Et genre là, attends, là, il y a du blé, on peut pas faire de ferme. C'est quoi ces conneries? Ah bah voilà, toi. Hop. Et voilà, on développe. Pourquoi je peux pas faire de ferme là-bas? Ok, là, il y a beaucoup de maïs à manger. Il y a un lac, je peux pas faire un truc à un poisson? Non, bah non. Alors, un colon, c'est pour faire une nouvelle ville dès le départ. C'est peut-être un peu tôt, non, de faire une nouvelle ville, je sais pas. Bâtisseur, c'est pour bâtir, ouais, mais la ville est pas terrible. Non, je crois que tout ce qu'on a à faire pour l'instant, c'est faire un autre colon et aller ailleurs. Un monument, ça fait de la culture, on s'en fout. Bah non, on va déjà s'étendre, les gars. Another settlement has sent word that they need our help. I'll mark it on your map. Go find out what they need. Nous, on veut vraiment s'étendre très rapidement, donc bah go. Ah, en fait, au début, il y a vraiment rien à faire, quoi. Bon bah voilà, les gars. Hein. Qui a dit que Paris c'était trop urbanisé, il y a que des fermes à côté. Putain, c'est bien, ça rapporte de la nourriture, les gars. Haha, notre croissance démographique, c'est bien. Putain, on va refaire une ferme encore là. Allez, go. Voilà, les gars. Hop là, on fait des fermes, comme ça on a plein de nourriture, on va bien se développer à Paris, c'est bien. Le troupeau de moutons s'abonne une fée de loup. L'omelette des titans avec 8 douzaines de fées. Le banc de poisson. Et pour une fois te reposer un peu. Le bœuf. Je peux acheter un éclaireur avec 120 pièces. Moi, j'aimerais bien plutôt économiser pour un bâtisseur avec mon argent, comme ça on continue de bâtir Paris. Non, franchement, c'est pas trop mal pour l'instant, ça va. Bon, c'est de la merde, mais ça pue la merde, mais ça va. Putain, pendant 17 tours pour faire un truc, c'est abusé.
Je sais pas s'ils se développent mieux à côté, mes alliés, mais ils sont en roi, donc ils vont être... Enfin, les ennemis, je veux dire. Ils sont en roi, donc ça va être difficile. Hein. Oh putain, un village barbare, non ! Non ! Oui, on va rigoler par tout à tis. Ah ! Oh, les abonnés ! Ok, on leur a pété la gueule. Ah, on leur fait mal. Putain, je leur fais hyper mal. Feu ! Cassez-leur la gueule ! Des barbares ! Ah ah ! Victoire majeure. Ah ouais, je lui casse la gueule. Allez, casse-lui la gueule ! Coup de bâton ! Waouh ! Waouh ! Ok. D'accord, on a trouvé déjà un village ennemi dès le départ. Il se montre hostile. On va attaquer la capitale. Ouais, ça c'est encore les Vikings, ça. Ils nous font chier depuis toujours. Aidez-moi, Singapour ! Ah, Gourdin ! Il se replie, il se replie. C'est un lâche. Aucun homme n'a jamais abandonné. Oui, oui, la poterie, très bien. On va leur lancer des pots de poterie. Ok, exploitation minière, ouais, ça serait bien, bref. Ouais, frère. On est capitaliste, les gars, on exploite les ressources. Allez, on gagne, on gagne, on les tue. Oui. Oh putain, on a cassé le village barbare dès le départ. Oh putain, j'ai vraiment eu de la chance. On est trop chaud, on est trop chaud, on est trop chaud. Soldat espère qu'il y a du tort, ouais, voilà, hop, t'inquiète, on a pété le poste barbare dès le départ. Et lui, on lui casse la gueule! Fonce, Jamy! Coup de bâton! D'accord, c'est vraiment le combat le plus éclaté de l'histoire, mais c'est pas grave, hein, on gagne, on gagne. Ok, putain, on est chaud! Eh, on est chaud, franchement, J'ai jamais aussi bien débuté, les gars. D'habitude, pour ceux qui ont connu les lives sur Civilization 6, on avait des guerres civiles et tout, mais là, ça va. Tiens! Allez hop, un RKO! Eh oui. On peut promouvoir l'unité, les gars. Bien. Je sais pas où on va pouvoir mettre notre colonie. Faut pas trop éloigner les colonies, sinon après ça fait les guerres civiles comme d'hab, donc c'est un peu chiant. Oh putain, il y a plein de poissons. Oh oui, les gars, on va installer Marseille ici. Marseille au nord de Paris, c'est historique. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Un éclaireur? Oh non. Oh non, là t'es cringe. Ok, on va. Putain, il y a plein de poissons et tout. Non, mais c'est trop bien ici. Le port de poissons! Non, même là, oh là, il y a des vaches. Il y a des crabes. Oh putain, bon, en fait, je sais pas où. On s'en va. Ok, les gars. Let's go développer Paris. Allez! Qu'est-ce que ça fait? Quoi? Mais non! Mais je voulais construire une ferme! Je voulais pas récolter! Merde! J'ai récolté sans construire! Oh le con! Mais non! C'était joli! Il y avait du blé! On l'a coupé le blé au lieu de le cultiver! Ah merde, on a pas replanté! Et bah voilà! Écologie moins 20. Les vers sont pas contents et on a mal joué. Et bah voilà. Vous resterez dans l'histoire, monsieur le président de la République, le président de l'inaction climatique. Quelle bande d'imbéciles! Ok, arrête, tais-toi, reste là, toi. Bon, il est là, le colon, il... Vous vous trouvez au fond d'un... Oui, au fond d'un, on veut pas savoir. Ok, écriture. Oh, c'est bien ça, en France, on écrit la science. Ah, je sais pas, pour l'instant, je vais pas faire la guerre, hein. Je vais juste vraiment me développer. Ok, je peux bâtir... Quoi? Mais non, mais cassez-vous! Mais ils sont cons, Singapour! C'est mon enclos de vaches! De chevaux, oui, mais barrez-vous! Mais pourquoi tout le monde est chiant dans le jeu? Mais Singapour, cassez-vous! Vous êtes chez moi, dors. Va-t'en. Singapour, bouge. Ah, merci. On construit un pâturage, voilà. On construit un pâturage et ça fait de l'équitation. Ok, voilà. Ok, les gars, on a le stuff. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est encore un ennemi, ça. Des barbares, putain. Moi, la ville là où je voulais la construire, la conseillère a dit, ici, c'est bien. Ouais, mais la conseillère, on l'emmerde parce que les crabes, ils sont là-bas. Ah, quoique, il y a le blé et tout. Non, en vrai, c'est joli, ici. Allez, cours Michel, cours, on va installer le campement avec son vieil âne. Ok, bah tu sais quoi? Ouais, l'éclaireur, il faudrait... Putain, il y a des ennemis là-bas, oh, ça fait chier. Des guerriers, ça attaque de loin ou pas? Un grand bain. Genre 23 tours pour faire le grand bain, on emmerde le grand bain. La culture, un monument, un grenier. Allez, on va faire un grenier, les gars. La petite brocante de Paris, c'est historique. Viens pas m'emmerder. Viens pas. Oh putain, viens pas. Nos méthodes de gouvernance évoluent au rythme. Oui, ça va, ça va. La compétence. Oui. On a compris. Ça va. Laissez-nous gérer. Ok. Commerce avec l'étranger. Mais je veux pas. Tradition militaire. Ah bien. Voilà, putain. Et on a masse de fermes, les gars. Putain. Qu'on vienne pas me dire qu'on manque de nourriture ici. Oui, j'ai vu les barbares. Allez, vite, on se casse, on migre, on quitte Paris. Il peut passer par là. Ah, c'est qu'un lac, c'est pas genre un océan. Ah, moi je croyais que c'était l'océan et tout. Non, c'est juste un petit lac. Genève, oh les Suisses, bien, bonjour les Suisses. Genève, oui, Genève, t'es toujours été à l'ouest de Paris, hein, c'est évident. Ok,
D'accord, cette map, bon, je sais pas où on est, les gars. On a Singapour et Genève. On est mi-européen, mi-asiatique. On est en Eurasie, visiblement. Cours, 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 Michel. Alors, quelle sera cette ville? Quelle ville ils vont... Qui ça? Non. Ah, le pervers se replie dans les bois. Ok, non. Très bien, ok, bah allez, allez, on va voir c'est quoi le nom de la ville. Ok, fonder une ville, voilà. Allez les gars, attends-toi. Allez les gars, attends-toi. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Marseille, ben oui, j'avais dit que ce serait Marseille, c'était sûr les gars. Paris-Marseille, on est lié, tout est lié. Ok, bon bah Marseille, ça a l'air stylé. Enfin, en vrai, ça peut le devenir. Ça l'est pas encore, mais ça va le devenir. Ok, on peut faire quoi à Marseille? On peut faire un bâtisseur. Oh, 33 tours, j'avoue, ils abusent. Attends, j'ai pas assez... Les pièces, les écus, les gars, payez les impôts. Macron. Allez, les gars, Paris-Marseille. Il m'aime bien Marseille ou pas? Activité insuffisante. Bah oui, on vient de construire, attends. Laisse-nous le temps. Près du Mésogis, à l'opposé de la Odyssée, se trouve Hiérapolis. Ses sources chaudes et le plutonium, ces deux derniers possédant... Le plutonium, il veut faire une bombe nucléaire ou quoi, le frérot? L'eau des sources... Oui, ok, ah, c'est bon, on a découvert une merveille, ben. On a découvert une merveille, c'est très bien. Tu veux te baigner? Non, tu peux pas. Et voilà, les gars, on a développé le grenier de Marseille. Ok, ça devrait... Enfin, de Paris, ça devrait apporter plus de sous. Par contre, il me faut vraiment un bâtisseur. Non, mais arrêtez de vouloir faire des colonies de partout, là. Il faut d'abord bâtir Marseille et tout, parce que c'est pas assez développé. Il est là. What the fuck? Mais comment? Mais ça, c'est pas possible. Ça, je comprends pas dans ce jeu. Comment ils ont déjà des chevaux et tout alors que moi, j'ai encore des massues? Ah, je leur casse la gueule? Ah oui. Ça, alors, tiens, regarde ton cheval de merde. À l'attaque! Alors, petit éclair. On peut pas faire la guerre, nous. Putain, mais 30 tours, Marseille, c'est abusé. Il m'attaque sur son cheval ou pas? Oui, mais il est con. Alors lui, il est con. Alors lui, il veut se faire péter. Non. On est chaud. Oui, nous on se balade dans... On fait le tour de la Terre. Pour l'instant, on a encore rencontré personne, hein, la France. Voilà, elle est toute seule, RIP. Qui? Augusta et Roma Imperator Caesar Traianus Sum. Qui ses? Qua et terra patria vocas. Oh, ok! On a rencontré César, c'est un honneur de vous rencontrer. Bah oui. Les champs d'informations sont captés, c'est une très bonne idée. Mais oui, bien sûr. Il est où César? Ok, on a trouvé Rome. Ah, ça, c'est un peu plus historique. On a Paris et là-bas, on a Rome. Ok. D'accord, ok. Bah ouais, franchement, Rome. Oh. On a rencontré les... Oh putain, c'est qui ça? Ah, c'est encore des barbares. Insupportable. Ouais, non, franchement, César. Est-ce qu'on peut faire avec lui? Déclaration d'amitié. Rome doit rester l'ami des personnes en dehors d'elle-même. Quoi? Merde! Ah, le bâtard, il m'a mis un vent. Ok, tu te crois malin. 25 pièces d'or, une délégation. Faire un marché. Allez, voilà. 4 pièces d'or contre un cheval. C'est le business le plus éclaté de la planète. Mais c'est pas grave. Au moins, on montre avec César qu'on est... qu'on coopère. Ok. Bon, par contre, ils sont où les barbares qui nous ont fait chier, là? Alors là, go Marseille, les bâtisseurs. Et Paris, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, mais j'ai pas beaucoup de pièces d'or. Comme il serait bien pour un nouveau bâtisseur. Ah, mais 20 tours, jardin suspendu. Je sais pas si ça va servir. On va faire un jardin suspendu, c'est ce qu'il conseille. Commerce avec l'étranger. Allez, on avance, on se développe. Pourquoi il m'aime pas, César? Hostile, non, mais ça va pas, César. On doit s'entendre normalement. Putain. Allez, bon, 10 chevaux contre 21 pièces d'or. Ok, go. 1000 merci. Ok, bon, César, il a des thunes. Il nous paye, César. C'est là. On construit le pâturage de Marseille. Voilà, comme ça, on a des vaches et tout. C'est bien. Bon, j'aimerais bien avoir un accès à la mer. Est-ce que je peux payer un accès à la mer? Acheter des cases. Ouah, 60 pièces d'or à la case, là. Non, mais c'est mort, tant pis. Ditissimas tui regni, regiones diripendas ostibus dauisti. Il veut quoi, mais casse... Il veut un 1v1, César, ou quoi? D'accord, le mec, il vient cracher sur ta gueule, après, au revoir. Ok, d'accord. D'accord, bah, c'est pas grave, César, on est vexé, mais... Oh, tiens, on peut exploiter là-bas, vite. Vite, go exploiter, des ressources minières. Très bien, on va faire du commerce. Qu'est-ce qui se passe? Activité insuffisante. Mais attends, on est en train de faire le grand bain là. Putain, ils nous font. Ils sont jamais contents dans le jeu. On fait le grand bain, ils sont pas contents. Ils veulent quoi? Le petit bain? Bon, Paris-Marseille, c'est pas trop ça, les gars. C'est... Même Singapour, ils nous écrasent. Les civilisations ont découvert de nouvelles technologies. Mais on s'en fout. Je ne crois pas à l'astrologie. Ah.
Bah, pourquoi tu le fais, imbécile? Mais ils sont cons dans le jeu. Ok, écriture, science. Ah ouais, nous les gars, on devient des scientifiques, ça y est. Ah putain, c'est des grandes plaines, on est en Ukraine là. Ouais, c'est qui lui? Hé hey, on a rencontré quelqu'un? Ah non, c'était les Ottomans. Ben Süleyman, Kaiser-i Rum, selamımızı ihsan ederiz. Salam, salam. Ok. C'est un honneur de vous rencontrer. Mais nous sommes trop... Ok. Nous aimons goûter à votre hospitalité. Oui. Ah, Istanbul. Ok. D'accord, on a Istanbul et on... Est-ce qu'il m'aime plus Süleyman? Il a l'air plus sympa que l'autre con là. Ah putain, c'est un campement. Allez Süleyman. Allez Süleyman, on va faire un marché. On va faire un marché. Je te donne des chevaux et tu me donnes de l'or par tour. T'inquiète, Süleyman. Attends, on va négocier. Oh! Ah ouais, après c'est pendant 30 tours. Moi c'est ponctuel, c'est pendant 30 tours. Ok. Voilà, c'est bien, Süleyman. C'est bien. Putain, ils sont. Et moi je vends mes chevaux, les gars. Je fais un business de cheval, il est pas mal. César, tu veux racheter des chevaux ou pas? Tu m'as dit l'autre jour que tu voulais des chevaux. Puis, regardez comment il se méfie! Mais regarde pas, toi! C'est quoi ça? Des ferveurs diplomatiques. Ah, il a déjà des chevaux. Bien. Ok. Bon, faut peut-être attendre le prochain tour et on aura le négociant qui pourra partir. En tout cas, je gagne beaucoup d'or grâce à Süleyman et César, donc c'est pas mal. Fin de l'ère antique. Ok, Singapour et plus 3 et Genève plus 3. On est plus près de Genève ou de Singapour? Ou Marseille peut-être? Non. Allez, Singapour. Hop là, Paris-Singapour. On fait l'autoroute, les gars. Oui. Alors par contre, là... Oh putain. Ouais, bah on va laisser Istanbul gérer ça, les gars, nous on s'en va. Ok, et voilà les gars, de la plantation. Non, franchement, Marseille, ça va devenir puissant, les gars, ça va devenir stonf. On a des ressources, on a des ressources minières, de la nourriture, et là, on a des plantes. Très bien. On vous dira pas quelles plantes. Hein. Non, en vrai, ça va, c'est carré. Hein. J'aime bien. Oh, les Pays-Bas. Tu me fais peur. C'est un honneur de vous rencontrer. L'échange, je pense, en capital de cœur sera... Ouais, ok, très important. Oh, Amsterdam! Ok, d'accord, donc on a... Ok, la Suisse, c'est entre les Pays-Bas et la France. En fait, les Suisses, c'est les Belges, en fait. Voilà, c'est ça. C'est masqué Genève et Belge, en fait. Ok. Bon, les amis, je crois qu'on peut s'arrêter là pour cet épisode 1. Ça se passe pas si mal que ça. C'est un développement, on va dire, correct. On a nos alliés, on a découvert du monde. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire sur cette première vidéo de retour sur Civilization. Me dire si ça vous plaît ou pas ce genre de série. Et sinon, on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao! Et merci beaucoup d'être autant.